Bonjour tout le monde et bienvenue dans la pause café. Aujourd'hui il fait moche, c'est la rentrée, on n'a pas le temps d'en parler toute manière, faites-vous un café serré, il faut qu'on parle. On a déjà précédemment parlé des lapins de World of Warcraft. Mais saviez-vous qu'au-delà de quelques lapins lançant des boules de feu, les mensonges des développeurs vont parfois encore plus loin, comme en trichant. Et oui, les jeux vidéo trichent. Mais ils trichent en votre faveur. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardons ensemble comment certains ennemis virtuels sont programmés pour vous aider. S'il y a une chose que les développeurs savent, c'est que joueurs et joueuses n'aiment pas perdre. Encore moins lorsque c'est à cause d'éléments qui paraissent inévitables. Ainsi, dans Devil May Cry, les ennemis qui sont hors champ n'attaquent pas, voire n'attaquent pas du tout. Contrairement à Bastet. Cela permet d'éviter qu'ils vous attaquent à partir d'angles morts, et aussi vous permettre d'affronter de plus grands groupes d'ennemis. Cette technique de ne pas faire attaquer ou de ralentir les ennemis qu'on ne voit pas à l'écran est très utilisée, déjà pour éviter que le joueur meure de manière complètement inévitable, mais aussi parfois pour créer un sentiment d'urgence. Comme dans Silent Hill, où lors d'une phase de poursuite, si vous vous retournez pour regarder derrière votre épaule, vous aurez toujours l'impression que les ennemis sont presque sur vous. Presque. Car si joueurs et joueuses n'aiment pas perdre, ils adorent s'en sortir avec triomphe. Et cette sensation de triomphe peut venir de plein d'éléments, comme le fait d'en sortir de justesse. Ainsi, des jeux comme Destiny vont temporairement baisser la précision et la puissance de tir des intelligences artificielles ennemies lorsque la vie du joueur est très basse. Cela donne aux joueurs un petit peu plus de temps pour s'en sortir et surtout va vraiment donner l'impression de cette sortie de justesse d'un combat très risqué. Ou encore dans Oddworld New and Tasty, les ennemis ne peuvent tout simplement pas vous atteindre lorsque vous êtes sur une échelle ou que vous passez une porte ou autre pour vous enfuir. Cela permet d'exacerber cette sensation de l'avoir échappé belle. Vous savez ce qui donne aussi l'impression de s'en sortir héroïquement? Le fait d'éviter les tirs adverses avec talent. C'est pourquoi dans Uncharted, lorsque vous sortez d'une cachette en combat, les premiers tirs ennemis ont à peu près 100% de chance de vous rater. Et dans Left 3 Hours, les premiers ennemis à apparaître vous ratent toujours. Pourquoi? Pour vous donner l'illusion d'être très bon en esquive. Et puis, être un héros de jeu vidéo, c'est un peu comme dans les films. Quand par exemple vous êtes encerclé par des ennemis qui vont tous vous attaquer en même temps, théoriquement, vous ne devriez pas vous en sortir. Mais si vous ne pouvez pas vous en sortir, alors à quoi bon? Mieux vaut faire en sorte que seuls 1, 2, à la limite 3 ennemis vous attaquent vraiment en même temps. C'est un vieux truc très utilisé, notamment qu'on retrouve dans Zelda Ocarina of Time. Ou lorsque vous combattez un groupe de monstres, si vous en visez un en particulier, c'est celui-là qui va vous attaquer. Les autres vont se mettre juste à vous encercler et regarder. Un peu comme dans un film d'action en fait. On rit souvent de ce genre de cliché au cinéma, faut le dire. Mais par contre, on est beaucoup moins prompt à en rire lorsque ça nous avantage dans un jeu. Évidemment, certains jeux vont au contraire vous rendre la tâche plus difficile, en créant des intelligences artificielles plus efficaces, plus intelligentes, mais toujours pour vous pousser dans la direction que les game designers ont en tête. Le jeu Civilization Beyond Earth, par exemple, force l'intelligence artificielle ennemie à prendre l'idéologie foncièrement opposée à celle que vous choisissez. Ce qui fait que vous êtes forcé de lui faire la guerre. La paix n'est jamais la solution dans ce jeu-là. Ou encore dans des jeux plus stratégiques comme Spec Ops The Line ou XCOM The Bureau, eh bien, les ennemis vont devenir plus agressifs si vous ne bougez pas pendant une vingtaine de secondes. Ce système vous force à prendre des décisions beaucoup plus rapidement, un peu comme le café, et ajoute un sentiment d'urgence, un peu comme le café. Il y a également de nombreux jeux qui trichent pour rendre vos victoires plus spectaculaires. De nombreux jeux de tir s'arrangent pour que lorsque vous tuez un ennemi, il se jette de la falaise la plus proche. Ça peut être fait par des systèmes d'aimants sur les bords des immeubles ou des falaises comme dans Left 4 Dead 2, ou bien par une programmation d'intelligence artificielle qui vont volontairement conduire leur véhicule dans le vide, un peu comme dans Halo. D'autres jeux avec des combats dans les airs ou l'espace rajoutent un tout petit point de vie à l'ennemi jusqu'à ce que ce dernier arrive dans votre champ de vision, et ce afin que vous puissiez voir l'explosion que vous avez provoquée. Rassurez-vous, tout ceci ne veut pas dire que vous êtes en réalité mauvais aux jeux vidéo et que vos skills ne sont qu'une illusion. Non, ces triches sont là pour exacerber certains sentiments que le jeu essaie de vous faire ressentir. Et puis surtout, ces espèces de petits systèmes sont là pour assurer que le jeu soit fun, en fait. Mais surtout sans vous mâcher le travail. Car lorsque ces systèmes de triche sont mal équilibrés, mal intégrés ou juste trop visibles,
vous allez en prendre conscience et cela peut vraiment gâcher un jeu. Après tout, personne n'aime apprendre qu'on l'a ou le laisse gagner. J'ai l'impression qu'elle a bu mon café, quoi. Alors, vous ai-je gâché des jeux en vous révélant que peut-être il triche un peu pour vous aider ? Eh, peut-être. Mais peut-être pas. Réfléchissons un instant. Vous jouez à un jeu. Vous savez que ce n'est pas réel. Car la réalité, elle est bien moins fun que ce que les game designers essayent de vous faire vivre. Si les jeux vidéo utilisaient des algorithmes complètement justes, de l'aléatoire vraiment aléatoire, et des intelligences artificielles cohérentes et vraiment intelligentes, alors les jeux seraient tout bonnement injouables. Vous ne voulez pas jouer à un jeu réaliste. Parce qu'un jeu réaliste vous paraîtra toujours très injuste et extrêmement frustrant. Revenons à Civilization, par exemple. Dans Civilization, saviez-vous que lorsque vous avez 33% de chance de réussir un combat mais que vous l'avez déjà raté deux fois, alors vous avez pratiquement 100% de chance de réussir au troisième essai? Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez 33%, vous comprenez en réalité une chance sur trois. Une de ces trois-là uniquement. Et si vous ratez ce combat plus de trois fois, alors vous avez l'impression que le pourcentage est faux. Et un certain sentiment d'injustice. C'est pareil pour 50%, sauf que c'est une chance sur deux. Alors que 33%, ça veut pas du tout dire que vous allez gagner une fois sur trois essais définis. Non, 33%, en vérité, si c'était réellement 33%, vous pourriez avoir bien plus de trois défaites d'affilée. Mais ça, c'est trop aléatoire et trop injuste. Du coup, dans Civilization, 33%, c'est bel et bien environ une chance sur trois essais. Et tout ça est vrai même si vous aimez des jeux particulièrement difficiles. Prenons Bloodborne et Dark Souls par exemple, de façon totalement aléatoire et pas du tout parce que c'est des jeux qui sont vachement mis en avant parce qu'ils sont difficiles. Eh bien, ces jeux regorgent de systèmes similaires qui vont certes établir une grande difficulté, mais une difficulté sur laquelle vous aurez toujours l'impression que vous pourriez triompher. Les jeux de type Die and Retry ou Mourir et Réessayer, comme les Dark Souls ou Super Meat Boy, eh bien, sont faits pour que vous ayez toujours l'impression que si vous appliquez un petit peu plus, en timant vos sauts, vos esquives, en comprenant le niveau ou le boss un tout petit peu mieux, eh bien, vous allez y arriver. Et vous allez y arriver. Parce qu'un jeu impossible n'est pas vraiment un bon jeu. Un jeu réaliste n'est pas un bon jeu. Ce qui fait un bon jeu, ce sont tous ces petits détails cachés ou visibles qui vont créer une expérience entière que vous pourrez apprécier. Après tout, ce sont les petits grains qui font les grands cafés et les petits détails qui font les grands jeux. Certains jeux vont faire l'inverse et vous rendent la tâche vraiment plus difficile, notamment en créant des intelligences artificielles plus dures à battre, ou tout simplement plus intelligentes. Chat, tu fais un boucan du diable. La paille. Oups, I missed again. Oups, I missed again. Pinball, hockey, tennis, ping pong, play them video games. Speedway, Star Wars, Space Invaders, love them just the same.